pas très sympathique, la grande sœur. Donc, on va aller directement les voir, hein, parce que c'est eux qui ont le collier de Dame Cumulia. Alors, c'est rigolo, parce que ils ont ajouté un petit effet un peu... on va dire... oriental, je trouve, à la musique. Par rapport à la musique originale. Qui est pas déplaisante, je trouve ça plutôt sympathique. Donc là, le but, c'est que je vais éviter les ennemis. C'est comme je vous ai dit, hein. Déjà, je suis assez étonné que les ennemis soient déjà réapparus. Ils ont rajouté un respawn... Ouais, mais on est rentré dans la maison de Dame Cumulia, oui, c'est ça. Mais, n'est-ce pas Mario que voilà? On se livrait de lui-même. Sa belle moustache cache un fief et crétin, tiens. Vous n'auriez pas trouvé... se livrait de lui-même? Mais, qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de personnel, mais on ne peut pas te laisser rassembler les gemmes étoiles. On s'occupe de vous et on récupère la carte au trésor, Mais, comment savez-vous pour la carte et les gemmes étoiles? Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec ceux qui ont enlevé la princesse Peach. Mais qui êtes-vous? Sans être célèbre, tu peux avoir entendu parler de nous. Nous sommes... l'Obscur. Un trio de sœurs. L'Obscur Trio de Sœurs? Quoi? Viviane, qu'est-ce que tu racontes? L'Obscur Trio, tout court. Sœur, ça fait pas assez mystérieux et pas assez effrayant. Combien de fois je devrais te le dire? Désolé, Marjolaine. C'est juste que ça me fait plaisir d'être ta sœur et enfin... Il n'y a pas de enfin. Ta punition va être terrible. Sniff. Bon, on va d'abord régler le compte de Mario. Le travail avant tout. Allez, au boulot, Marilyn, Viviane. Nous allons vous montrer la puissance de l'Obscur Trio. Oui. Nya. Nya. Et donc, nous voici contre l'Obscur Trio. Notre grand compte scelle ton destin de manière funeste. Marilyn, Viviane, je veux qu'ils goûtent à notre puissance. Nya. Oui, Marjolaine. Et donc, bien sûr, on ne peut pas fuir ce combat. Hein. Donc, c'est parti. Donc, bien sûr, on va changer de partenaire, passer sur Goumeli pour faire les indics des trois personnages. C'est Viviane, la plus jeune de l'Obscur Trio. Vainqueur Max 10, puissance 1, défense 0. Rien de particulier. Elle est vraiment mignonne. Peut-être même plus que moi. Oh là là, je crois bien que je suis jalouse, moi. Ok. Ah, j'ai appuyé trop tôt. J'ai essayé de bloquer. C'est Marilyn, la sœur cadette de l'Obscur Trio. Point Karmas 12, puissance 2, défense 0. Elle se booste parfois. Elle a la plus grosse puissance du trio, donc à sortir en priorité. À part ça, bah en fait, rien d'autre de spécial. Ah oui, c'est vrai, on avait acheté les bonus. Donc voilà, ce sort augmente la défense de 3. Donc là, en fait, on a un bonus de défense, donc j'ai même pas besoin de bloquer sur Mario. Hein. Ah. Je me suis fait miniaturiser, donc je vais faire moins de dégâts. Mais en vrai, je peux faire un jus de fruits.
Voilà, comme ça, ça me soigne. Et donc, Marjolaine. C'est Marjolaine, l'aînée et la chef de l'Oscar Trio. Point Kermas 9, puissance 1, défense 0. Attention, son tourbillon a une puissance de 2. Elle augmente par magie la taille de ses alliés et diminue la nôtre. Et puis elle a ce rire sinistre quand elle trame quelque chose. Le genre de personne avec qui on veut avoir le moins de rapport possible. Mince. J'ai encore un peu de mal hein, avec les... Allez, c'est parti. Alors, pour moi, celle qu'il faut sortir en premier, c'est vraiment Marjolaine. On fait le multi-coup de tête. Allez, c'est parti. J'ai loupé. Sapristi, il est plus fort que ce à quoi je m'attendais. Si c'est comme ça, fini la gentillesse. Ok. Ah, il faut en finir. Ah, mais bordel! Putain, les timings, j'ai vraiment du mal, hein. Pardon, Marjolaine. Je vais retenter un... Ouais, j'ai pas réussi. J'ai réussi un peu, mais pas énorme. Bon, après, on fait 4 de dégâts de base hein, avec, avec Goumeli, donc... Ça va. Nya. Pas, je l'ai sous-estimé. Marine, Viviane, c'est de votre faute si nous avons perdu. Les punitions vont pleuvoir, vous n'y échapperez pas. Nya. Mais, le collier? Laisse tomber. Et donc, nous obtenons le collier favori de Dame Cumulia. C'est le collier de Dame Cumulia. Vite, rapportons-le lui. Donc, on va retourner voir Dame Cumulia. Ah, mince. Je me suis loupé, je voulais esquive. Ah, je vais m'entraîner sur le coup de séisme. Comme ça, on le voit un petit peu de temps en temps. Hein. Ah, mais bordel, celui-là, je le loupe tout le temps. On va bientôt level up. En vrai, je vais peut-être faire les quelques combats qui traînent pour pouvoir gagner mon level. Comme ça, ça sera fait. Oh! Oh non. C'est bon. Oula, mais ils sont nombreux en plus. Tiens, on va faire un petit mouton dodo. Voilà, comme ça ils dorment. On va changer de partenaire parce que... malheureusement...
Elle ne peut pas servir pendant ce combat, Gomeli. Je me suis totalement loupé. Je vais être obligé d'utiliser un soin quand même parce que... Je voulais espérer ne pas l'utiliser, mais... On est un peu limite... Ok. Donc ça, ça se passe bien, pas de soucis. Ah, de nouveau, la défense. Alors, il n'y a pas que la défense, hein. C'est là, c'est juste que j'ai du bol. Ah oui, c'est vrai, je peux essayer de... J'allais dire, je peux tenter de faire des contres, vu que je perdrai pas de vie. Ok, celui-là, j'y arrive bien maintenant. Je voulais tenter le contre, mais je sais pas exactement le... à quel moment il faut que je le fasse. Mais de toute façon, on va gagner un level. Donc, niveau plus. Donc on va bien sûr récupérer des PB ce coup-ci. Donc comme ça, on va pouvoir... Non, c'est... Voilà, c'est celui-là. On va se mettre le marteau séisme. Et on vrai... Est-ce qu'il y en a un qui m'intéresserait? Bah, en vrai, on va peut-être remettre le multibond. Au moins, comme ça, on a des capacités de saut et de marteau qui peuvent toucher tout le monde. Donc, je pense que ça sera une bonne chose. Ok, donc, on retourne voir Dame Cumulia. On va esquiver les combats parce que j'ai pas forcément envie de les faire. Et on retourne à la maison. Pour remettre le collier. Oh, vous n'avez donc pas encore trouvé mon précieux collier? Oh, vous l'avez trouvé. Je suis si heureuse. Je ne peux me présenter à vous dans cet état. Vous voulez bien déposer mon collier devant la porte et patienter un instant? Oh yeah. Ah, parfait, parfait, quelle joie! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, tu es le charmant Mario qui m'a ramené mon collier. Mais c'est qu'il est à croquer. Voilà que je te remercie comme il se doit. Oh, il faut que je serre fort dans mes bras. Reçois ceci en gage de ma reconnaissance.
se mettre dans cet état pour moi, ce qu'il est trop mignon. Au fait, vous m'avez dit que vous cherchiez des gemmes étoiles, n'est-ce pas? Elles n'auraient pas un lien avec le trésor légendaire de Port-la-Canaille? Partir en quête de jolies pierres précieuses, voilà une aventure excitante. Moi qui cherchais justement un peu d'excitation dans ma vie. De plus, la moustache de dandy de Mario a ravi mon cœur. J'accepte avec plaisir de me joindre à votre aventure. Je t'en prie, Mario chéri. Et donc, Cumulia rejoint le groupe. Aptitude de Cumulia. Appuyez sur X pour envoyer un vent violent qui fera s'envoler plein de choses. Maintenez X pour souffler sur la feuille de papier jusqu'à ce qu'elle s'envole. En soufflant sur les ennemis, Cumulia pourra les étourdir temporairement. Maintenez X pour les étourdir. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes de Cumulia désormais parfaitement? En combat, écrase tout lui permet d'aplatir un ennemi et ouragan de tous les propulser hors de la scène. Mario, quel tombeur! C'est pas bien d'avoir volé le cœur de Dame Cumulia. Quoi qu'il en soit, Dame Cumulia vient avec nous. Vite, au grand arbre! Le souffle de Dame Cumulia va faire voler le camouflage de l'entrée secrète. Et donc nous voilà avec notre troisième partenaire, donc Dame Cumulia. Mais moi, je vais m'arrêter ici pour cette session de Paper Mario, la porte millénaire. Donc si ces vidéos et cette session vous ont plu, vous pouvez mettre donc un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, et aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et vous pouvez comme ça ne pas rater les prochains épisodes de la série. Donc la prochaine session, on ira donc au grand arbre, on entrera et on découvrira ce qui s'y cache. Donc à plus et à la prochaine. Salut !